On a déjà vu sur YouTube si vous êtes passé nous voir sur le YouTube de Sylve Gaming ou si vous êtes venu nous voir sur Twitch. Et là vraiment voilà on a... Non, G-O-U-T, D-O-U-X. Espace avec des espaces carrément. Ah ouais, quand même on économise de la place. Et donc on a Yaya Toudou. Rondoudou, on a encore du Rondoudou on stream là, c'est le Rondoudou qui revient. Contre Ridley qui est une s'amuse verte que vraiment voilà, si vous êtes venu nous voir à l'Extra Life Café, si vous êtes venu en live, que ce soit en vrai ou sur internet, ou si vous êtes venu nous voir en vidéo à la demande sur YouTube, et bien vous avez peut-être déjà croisé Ridley qui fait des excellentes performances, vraiment Ridley on l'a vu, hein, on l'a très souvent vu en bracket, c'est un joueur extrêmement solide. Donc vraiment voilà, Ridley qui est une personne à suivre et Yaya Toudou qui vient nous voir à l'Extra Life Café, qui vient nous faire son match de pool. Et ben c'est justement parti, on part sur Battlefield. Et c'est parti sur Battlefield, ça commence avec du Down Smash, un Down Smash qui est un très bon outil pour Samus. Oh, j'ai eu ce petit upper, mais pas de conversion derrière. Ah, on a de très bon spacing de la part du Yaya Toudou, hein. Là c'est du très très bon. On le sent. Avec les dash attack, quand même. Et ben Ridley qui met du pourcentage hein, à Yaya Toudou, là on a quand même pris 20% de kill. La pression missile vraiment, ça fait plaisir de voir une Samus utiliser tout l'arsenal du personnage, vraiment c'est du très très bon. Donc là, je suis assez satisfait de voir que la game est très très even. Là, ça fait une minute qu'on est parti dessus. Là, il y a Toudou qui est à 100% et ce forward smash qui suffira. Gros forward smash dans ta grosse figure. Là, c'est la première stock pour Ridley. Et vraiment, la grosse Ridley là, qui est à 70%, il a des avantages et qui n'a plus maintenant au niveau de l'accrochage au bord. Et le Sharpshot qui est prêt, hein. Sharpshot vraiment qui a un bon outil pour Samus, c'est 25% dans ta figure si c'est prêt. Ou 0% si tu te fais buter comme ça, donc voilà, là c'est Yaya Toudou qui revient. Et cette stock là est à moi, qui revient également au niveau des pourcents là. J'essaie de prendre l'avantage. Ce pound qui flanque contre le tilt. Ah joli la bombe, la petite bombette. Bon, il est avec pas mal de Dixon là, c'est vraiment pas mal. Ok, je lui parle pas de conversion derrière là. Ok, ça c'est plutôt pas mal le drill, vraiment les multi sont plutôt pas mal. Et ce forward smash là qui commence à donner une ouverture à Ridley. Ridley qui, voilà, qui prend l'espace, qui essaie de charger son tir. Joli, vraiment le forward air qui a été whiff et la réaction directe derrière avec le forward smash là. Il y a Toudou qui fait du très très bon boulot. On repart, on a un petit avantage de stock, on continue, on lâche rien, faut choper l'inertie là. Ce fort à l'air qui était pas mal, on passe en dessous du missile. Joli, voilà, on essaie de prendre l'avantage, vraiment c'est dans... Oh, c'est dans ce match qui suffit, là vraiment, on passe par du sub la scène du top. Et le tir qui est prêt de la part de Ridley là, le charge qui est prêt. Beaucoup de knockback, 25% de dégâts quand c'est fait, c'est vraiment un coup qui est monstrueux. Vraiment sur une ouverture ça peut partir très vite. C'est vraiment voilà, dans le mind game, vous voyez dans le mind game ça importe beaucoup, ce tir chargé, ça change beaucoup, énormément. On est là, ouais, j'ai mon tir qui va être 25 et qui passe d'ailleurs, 25 de la figure, 63%, on essaie de mettre du pourcentage là, on essaie d'en mettre. Là, c'est chaud. Ah, le fer, on met du fer, on essaie de chercher Ridley dehors. Ok, on l'a vu ce down smash, là, je pense qu'il serait sorti plus tard. Voilà, il était un peu en avance, hein, Ridley, c'était plutôt pas mal. Très, très bon spacing. Situation dangereuse. Ridley qui part pour le fer et qui se fait punir par ce forward smash. Et ouais, c'était pas safe. Yaya Toudou a réagi directement. Là, on est sur du bon. Yaya Toudou était pas loin de prendre cette première
game. C'est Downer qui a failli le faire sortir par la Blast Dying Hip-Hop. Ouais, et ce sera pas assez, ce sera pas assez ce reste. Oh là 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 là, mais bien vu. Ce charge-up bien à distance, c'était la seule chose qui était possible de faire. Et franchement, très bien vu. Qui permet à Ridley de revenir là, une stock chacun. On est sur la dernière stock de cette première game de poule. On essaie de prendre l'ascendant là. Là, c'est 0-0, il faut prendre l'ascendant. Vraiment, ce charge-up parfaitement placé, c'était vraiment bien joué. Et il y en a un deuxième qui est dispo. Là, c'est chaud. Justement, ok, il est lancé dans le vent. C'est peut-être une opportunité pour Yaya Toudou là. Oh ce tilt qui se fait dur par un fer direct, ça se met des baffes quoi, je te mets une baffe, je t'en mets une. Et c'est Yaya Toudou qui prend cette première game sur un Forward Smash, genre vraiment c'est top. Son Edge Guard qui passe extrêmement bien, genre vraiment ce Forward Smash là, bim, bien placé. On essaie vraiment, voilà, je te mets à distance et quand t'es trop loin pour Sweet Spot, je te mets le Forward Smash dans la figure. Là vraiment on part sur du très très loin. Ça discute entre les deux joueurs. Sur quel terrain va-t-on partir? On va partir sur Fontaine des Rêves pour cette game 2. Yaya Toudou va-t-il nous sortir du 2-0? Ridley va-t-il réussir à répondre? On est parti pour le savoir. Petite dash attaque, essaye de plier par un pound, mais non, connaissance. C'est là aussi, c'est un des avantages de Samus, il faut noter les roulades. Les roulades de Samus, elles prennent beaucoup de temps, hein. C'est vraiment. C'est vraiment chaud de pas trop se faire punir. Ouh là là, ce missile qui était vraiment, vraiment presque parfaitement timé, parce que là, à peu de choses près, l'invincibilité était plus là, et pourtant, ce sera Yaya Toudou qui prendra la première game. Première stat, pardon, sur Ridley. Petit avantage là, il est vraiment chaud pour prendre l'ascendant. Ridley là qui va répondre. On est posé. On part sur un petit grab après un aérial. Jab 2, ça passe. Ce pound. Vraiment, pound qui est un très bon move. Parce que voilà, ça reste très longtemps. Ça reste longtemps sur. Oh lolo, ce charge-up qui part au mauvais sens. Ridley là qui essaie de reprendre la 113% sur la deuxième stock de cette game. C'est tendu, là on n'est pas loin, un gros backer, un strong backer qui pourrait peut-être faire le taf et un Forward Smash qui le fait. Il y a tout de suite qui prend l'ascendant, deux stocks d'avance pour lui. Ridley va-t-il réussir à remonter là, on est chaud, Il faut réussir à bien se positionner. Se der, la réaction sur la tech, bien, petite dash attaque. Et ce missile presque assez pour prendre la stock. Grosse pression de missile, joli down smash. Ridley qui était dans une position très difficile, hein. Dos à l'adversaire. Oh ce joli nerf of shield. Et ce missile à bout portant qui ne suffira pourtant pas à prendre la stock. Tu vois, tout doux. Le charge qui part aussi. On donne tout pour essayer de reprendre l'ascendant pour ramener les stocks un peu plus à égalité, pour ramener l'équilibre. Ouh, cette glissade de la plateforme, on est très chaud. Ok, c'est cool qui sera toujours pas suffisant. Ouais, Fontaine des Rêves quand même, ça reste quand même un terrain qui est permissif également. Si votre Dreamland se fait ban, n'hésitez pas à aller à Fontaine, ça peut être intéressant. Oh, joli le fastball après l'air dodge qui permet à Ridley de rester sur ça. Troisième stock. Et cette dash attaque qui est suffisante à 163%. Il était temps. Ridley qui donne tout. Le charge shot est prêt. Il y a moyen de mettre des pourcentages de. Ou de le garder hein, pour après ce joli up smash chargé. Voilà, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en dessous. Et ce up smash qui suffit. Fener et le pound qui a une portée qui est extrêmement longue et qui a une box qui reste assez longtemps dehors aussi. Oh là là, une fois de plus ce charge shot et ce down smash qui vient punir Ridley sur sa dernière stock de set là. Il y a tout qui fait du très très bon taf sur ses edge ward, vraiment c'est. Il punit beaucoup. Le fort smash, le down smash. Si tu switch passes pas, je viens et je te punis. Et là Ridley qui part, qui essaie de choper des pourcents, à 51% là on est bien, on est plutôt pas mal. Encore un smash. Et ce spacing qui permet à Yaya Toudou d'esquiver ce down tilt.
est pas loin. Les bandinettes sont utilisées pour revenir. On recule, on pivote. Mais c'est pas suffisant, il y a celui qui chope un grab. Oh là là, il part le chercheur Page. Et ouais, sur un B-Reflex, on met le forward slash, il y a celui qui nous fait du 2-0, 3 stocks pour la deuxième game. Et ben, très très bon jeu, Ridley qui a...